Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa C'est Diamant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un démarrage de diamond painting, mais j'arrive pas à trouver mes mots. Vous vous rappelez, j'ai commandé des diamants spéciaux sur AliExpress, donc je vais faire mettre en valisette et je pense qu'on démarrera si on a le temps, sinon dans une prochaine vidéo. Donc la toile, je la mets de côté. Alors, rappelez-vous ma grosse valisette de chez Ardot sur Amazon. Je mettrai le lien en barre de description si ça vous intéresse également. Hop. Et c'est ça, les étiquettes. Hop. On va mettre ça dedans. Ça, j'en ai pas besoin. Alors. Pardon, j'ai mis la main devant. Alors, on va prendre ça comme ça. Je fais attention parce que j'ai une bougie. Même si je sens pas grand-chose, j'ai une bougie. On va. J'ai hâte de voir le rendu, ce que ça peut faire. J'ai hâte. Alors, on va pousser un petit peu. Regardez pas le bazar, je fais du diamond painting aussi là-bas. J'en profite de faire une petite vidéo. J'ai 28 couleurs. Donc moi, je vais écrire les DMC. Non, pourquoi pas dessiner les symboles et mettre les DMC à côté. Les symboles sont pas trop compliqués. Je vais prendre un crayon, j'ai ma trousse, ma jolie trousse. Est-ce que je vais avoir un crayon noir là-dedans? Déjà, j'utilise pas du bon côté, et de ce côté-là, c'est comme ça. Elle est comme ça, elle est comme ça. Alors, est-ce que je vais avoir du noir? Oui. Alors, le G. G. C'est le 309. Après, un cœur. C'est du 310. Vous voyez rien. Alors, attendez. Je vais essayer de zoomer. Voilà, ça sera peut-être mieux. Après, un pic. Alors, le pic, c'est comme ça. Hop. Bon, pas très bien fait mon pic. Hein. C'est pas grave. On voit bien que c'est un pic quand même. Est-ce que. Bah oui, je suis pas devant vous. 349. Ensuite, un P. 371. Un triangle vers le bas. Avant, je m'amusais à faire les symboles. Maintenant, je marque tout le temps la DMC. 413. Z. Elle est un peu biscordu du mot Z. Voilà. 452. Un zigouigoui. Dédicace à ma petite Isa. Hop. 453. Vous voyez ce que je fais au moins. Après, un carreau. Hop. Hop, hop. Carreau. 550. 550, normalement, c'est un joli violet. Ensuite, un N. Désolé, je parle du D encore. 553.
Ensuite, un dé. Hop, 603. Alors, j'ai pas très bien fait, mais bon, c'est pas grave. 647. Un carré. Sept cent dix-huit, un sept, 726. Moi, vous savez que je connais mes chiffres et mes lettres, hein, c'est bien. Un A majuscule 741. Je dis un oiseau, moi, 744. Alors là, c'est un bâton avec, il y en a deux. Hop, 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 hop. Et 783. Ça va, c'est pas trop mal. Alors, un rond avec deux bouts comme ça. Voilà. 817. Un truc comme ça. 820. Une croix épaisse. Hop. Voilà. Peu mieux, voilà, 890 à 1, 950. Ah oui, vous êtes même pas en face. Un zigouigoui comme ça là, hop, 970. Oui, moi j'ai toujours des zigouigouis, hein. C'est mon truc, ça. Un truc comme ça. Hop. 3328. Un truc comme ça. Hop. 3354. Un Q majuscule 3607. Un J majuscule, hop, 3609. Un A comme ceci, 3807. Un M majuscule 3834. Et le dernier, j'appelle ça une croix, mais hop. Voilà, 3862. Et ça nous fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Le compte est bon, madame. Voilà. Je pense que les sachets, je vais les garder. Hop. Je vais pousser maintenant un petit peu. Je vais vous rezoomer un peu plus loin. Voilà, ça sera mieux. Hop. On va mettre ça comme ça. Je suis désolée. C'est bon, je vous ai retrouvé. Je vais essayer de couper au montage. J'y fais n'importe quoi. Alors, je vais mettre sur mes petits pots.
Je pense que celui-là, je vais peut-être en faire plusieurs. Donc, je vais. Que le sachet est gros, je vais peut-être en faire deux. Donc, je vais faire un espace. Les étiquettes sont de bonne qualité, elles sont assez épaisses. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même. Dites-moi en commentaire si vous, vous avez hâte. Je vous abandonne 30 secondes, il faut vraiment que j'aille me moucher. Je suis désolée, c'est encore... Je vous ai mis sur pause, mais qu'est-ce que je peux me moucher? Je vais prendre des actions pour avoir des palettes de mouchoirs. Hein. Hop. Je vais mettre bien dans l'ordre, oui. Hop. Non, je sais pas si Claude m'a renvoyé un mail. Elle voulait qu'on fasse l'autre en AB ensemble. Elle va s'en prendre une aussi, donc j'attends son retour. Comme ça, je dirais qu'elle m'envoie des photos. Comme ça, j'essaierai de faire un petit montage photo. Voilà. Alors. Numéro 1. D'accord, ok. Là, c'est... Faut pas se tromper. Numéro 1. Ah ouais, s'il n'y a pas de DMC dessus. Ok. Alors. Je mets ma feuille à côté de moi. Numéro 1, c'est le rose. C'est du 309. C'est exact. Et les sachets sont assez rigides. Ils sont de bonne qualité. Alors, je vais essayer de me mettre là. Ah ben, ça commence bien. Si je les mets à côté, ça va pas le faire. Ça fait bizarre d'avoir des diamants spéciaux carrés. Ça fait vraiment bizarre. Voilà, le numéro 1. Le numéro 2, c'est le 310. C'est de noir. Il y en a un petit peu beaucoup. Comme par hasard. Même dans les toiles spéciaux. Dans l'étoile mystère, surtout, que je ne choisis pas le motif, j'ai toujours du noir. Est-ce que le noir m'attire? Hein? Je pense que oui. Je remplis une. Et je vais remplir une deuxième. Je ferai l'étiquette après. Voilà. Alors, voilà. J'enlève l'air pour que le sachet soit moins gonflé. Après, je vais aller voir mon four, j'ai bien rôti. Hop. Donc, j'ai rempli la deuxième. Après, 349, le numéro 3. Évidemment, j'ai tout mis dans le désordre, donc je ne vais pas le trouver. Numéro 3, j'ai trouvé. 349. Parce que là, il ne faut vraiment pas que je me trompe, parce que sinon... l'illustration va ressembler à rien du tout, comme je n'ai pas le modèle. Hop. Celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Je dois en poser combien? 65.
J'espère que cette petite nouveauté vous plaira. Le numéro 4. Alors, où est le numéro 4? Là, j'ai le 6. Là, j'ai le 9. Le 3. Il y a beaucoup de roses. 14, 12, 20, 5. Je vais y arriver, hein. 8, 7. Évidemment, ça va être le dernier paquet, vous allez voir. 24, 25. Et oui, ça va être le dernier paquet. Le numéro 4. Il est là, c'est du jaune du 371. Hop. Hop. Voilà. Et c'est ça. Hop. Il n'y a vraiment pas beaucoup celui-là. Et je dois en poser 20. Il n'y a vraiment pas beaucoup à l'intérieur. Ensuite, le numéro 5 du 413. Je vérifie deux fois parce que on sait jamais. Hop, celui-là aussi, il en restera un peu dans le sachet. Le 413. Ensuite, le numéro 6, 452. C'est un beige. Je pense que je ferai juste la mise en place et le démarrage, on fera ça dans une prochaine vidéo. Alors attendez. Hop. Il y a des petites saletés dedans. Hop. 452. Ensuite, le numéro 7. C'est le 453. C'est un beige également un peu plus clair ou un peu plus foncé. Ça dépend comment on le regarde. Hop. Les diamants ne sont pas statiques, ça c'est bien. Voilà. Là, pas à côté. Que ça, j'ai pas de diamant d'avance, donc. Et si ça me plaît, va falloir que je trouve un système de rangement. 550, le numéro 9. Et ben. Ah non. 8 avant. 550, le violet, j'allais dire, c'est pas la même couleur aussi. 8 du violet. Et dites-moi si vous aussi, vous aurez craqué sur une toile en diamant cristaux, comme ça, en carré. J'essaierai de vous remettre le lien en barre de description. Et le lien du vendeur. Ça a été assez rapide à venir quand même. Donc une quinzaine de jours. Il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises. Hop. Viens ici toi. Voilà. Ensuite le 553. Le 9. C'est du rose.
C'est pas grave, je vais dans la, hop, dans la coupelle. Alors, j'en étais au numéro 11. 12, j'ai pas pris le 10. Le 17. Ah, le 10, il est là. Et je vais 603, c'est ça? Oui. À mon avis, ils vont en avoir. Dans le sachet, ils vont rester. Ouais, faut pas tout mettre. Hop. Ensuite, 617, 647, pardon, le 11, c'est un vert pâle. J'ai eu peur, je crois que ça tournait plus. Je dirais que je suis dans le noir. Je suis pas dans le noir. Hein. C'est qu'il fait gris chez moi. Peut-être que si je mets la grande lumière, non, ça va peut-être pas changer grand-chose. Allez, il en reste toujours 3 dans le truc, c'est marrant. Hop. Tu veux pas venir, toi? Eh ben si, c'est qui le patron? Qui c'est qui commande? C'est Vanessa. Et ouais, voilà. 647. Le 12. Alors, je vais refaire des sachets. Je vais les garder. Ça peut toujours être utile. En plus, ils sont de très bonne qualité. Donc, je l'ai gardé. Le numéro 12, j'ai dit 718. Je vous dis plein de chiffres, là. C'est le moment de noter et de jouer au loto. De toute façon, je vous donne les bons chiffres. Voilà. Ils vont rester aussi dans le sachet. Mon mari dit que je suis une trafiqueuse de drogue avec mes fioles. Le numéro 13, j'ai le 14, j'ai le 15, j'ai le 13, j'ai le 16, comme ça je garde les 20, voilà. J'ai dit le 13, 726, un joli jaune. Ah, il y a un rond dedans, j'ai vu. Celui-là, il est rond. Qui reste un petit. Je vais l'enlever. Vous avez vu, il est rond. Enfin, c'est même pas un rond, c'est un déchet. Hop. Ça arrive, hein, de toute façon. Là. Avec les machines, des fois, 741. Le numéro 14. C'est tout à fait logique. Voilà. Oh, non, il y en a encore là. Il y a ici, toi. Hop. J'espère que cette petite préparation vous aura plu. Bon, c'est pas du grand diamant painting, mais bon, c'est pas grave. 741, ça change un peu. 744, le 15. Parce que bon, faire des blabla, c'est bien, mais des fois, il faut savoir avoir des choses à dire. Je vous en ai déjà fait deux. Au bout d'un moment, si je vous redis toujours la même chose, vous allez dire, Vanessa, elle est bien gentille, mais elle radote un peu, hein. Malgré que je suis vieille, hein.
Non, mais je viens de sortir mes diamants. J'ai déjà. Bon, ma chienne est là à sa place. Hein. J'ai déjà un poil de ma chienne là qui traîne. Oh! C'est pas possible. Pas possible, mon chien. Hein. Elle perd ses poils d'hiver, elle va avoir ses poils d'été. Donc, c'est. Bon, ça commence. Donc. Mais des fois, le matin, je me lève, c'est comme un tapis où elle se couche. C'est horrible. Ça fait des poils partout, on peut faire un tapis avec. Alors, j'ai dit 744, c'est ça que j'avais mis, oui. Donc, 783, le numéro 16. Je pense que je vais finir toute seule et je vous reprends après. Voilà, j'ai terminé. Alors, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, on va pas essayer de faire de catastrophe. Est-ce que vous voyez? Voilà. J'ai tout mis. Les 28 pots. Voilà. Donc, je pense que moi, je vais vous laisser là. Alors, soit je refais la partie après ou je refais une autre vidéo, je ne sais pas. Alors, c'est une toile. C'était une toile en 40 par 50. En diamant cristaux carré. J'ai hâte de la démarrer avec vous. J'ai déjà tout préparé, donc c'est nickel. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va la démarrer. On est début de semaine, peut-être mercredi. Je vais voir ça, selon ce que j'ai à faire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça change un peu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de démarrage de toile avec vous. Donc, moi, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Un petit pouce en l'air sur ma vidéo, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous embrasse bien fort. Bye bye tout le monde!